Hey, salut à tous, c'est Peronal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Creative Destruction pour qu'on puisse regarder une petite vidéo. Alors, je sais pas si c'est une vidéo record, je vais pas vous mentir, au niveau de Creative Destruction. Je sais pas c'est quoi le record de kill. Si je me trompe pas, cette personne-là va faire 29 kills en solo. Dites-moi si c'est le record. Alors, le problème de Creative Destruction, c'est qu'un peu comme Free Fire, c'est-à-dire que... Oh, attendez. Ok, il a eu la gazelle. C'est-à-dire que vous savez que au début, les premières games que vous faites, il y a des bots. Alors je sais pas du tout si cette personne-là a le niveau assez élevé pour pas que ce soit des bots. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça, le problème, c'est que je pourrais pas vous dire parce que si c'est des bots, c'est sûr que le record est assez facile à battre. Voilà. Bon, par rapport à Creative Destruction, pour ceux qui le savent, vous savez que de mon côté, j'ai un énorme problème. Je ne peux pas jouer à Creative Destruction. Ce que je fais, c'est que toutes les semaines, j'installe le jeu et ça fonctionne pas. Donc je désinstalle et toutes les semaines, j'essaie de le réinstaller pour savoir si je peux jouer et si ça fonctionne. Donc, comme moi, je ne peux pas jouer de mon côté, je me suis dit, est-ce que ça vous dirait que vous m'envoyez vos top 1 par mail? Et comme ça, moi, je fais un petit montage de mon côté. Et je mets votre top 1, je mets votre top 1 sur la chaîne en mettant votre petit lien de chaîne YouTube, si par hasard vous avez une chaîne YouTube. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dès que de mon côté, Creative Destruction refonctionne, ne vous inquiétez pas, on recommencera les petits lives. Je referai des vidéos un peu comme Free Fire, en mode mise à jour et tout et tout. Mais pour le moment, je suis vraiment désolé. Le jeu ne fonctionne pas de mon côté. Voilà, quand je lance la game, ça lance la game, ça met le chronomètre. Et quand ça fait play, ça fait play. Voilà. Ça fait play, mais ça se lance absolument pas. Même quand je quitte le jeu et tout, genre, ça fonctionne pas. J'ai envoyé des mails à Creative Destruction. Ils m'ont dit désinstalle et réinstalle. C'est gentil, Creative Destruction, mais... ça marche pas. Genre, ça marche absolument pas. Il est bientôt à 20 kills. Alors, ça, c'est plutôt cool. S'il fait 29 kills, ça veut dire qu'en gros, il va tuer pratiquement toutes les autres personnes. Normalement, ça doit être ça. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dirait que vous me partagiez votre top 1? Et moi, de mon côté, voilà, je fais un petit mixte et un petit montage. Et comme ça, je les partagerai sur la chaîne ou si vous avez des petits moments what the fuck ou autre. Par contre, la seule petite condition que je vais vous demander, c'est que la vidéo soit au minimum à 750. Je crois que c'est 750. J'ai pas envie de me dire 780 ou 750, je sais plus. Voilà, au niveau de la qualité. Parce que sinon, ce sera pas extrêmement regardable. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ceux qui veulent m'envoyer leur top 1. Vous allez dans la description de cette petite vidéo ou de n'importe quelle vidéo sur la chaîne et vous avez mon mail. Donc vous m'envoyez ça par mail et je verrai ça de mon côté. Alors attendez. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que cette personne-là joue sur PC. D'ailleurs, dites-moi, qui c'est qui joue à Creative Destruction sur PC? En sachant une petite chose, hein, on va pas se mentir. C'est un peu comme Fortnite dans le sens où si vous jouez sur PC, vous avez 1 milliard de fois plus de gameplay. Voilà, parce que sur PC, c'est 1 milliard de fois plus facile. On va pas se mentir. Surtout au niveau des constructions. Alors attendez, là, non, ça va faire 20 kills, là, non? Ouais, ça va faire 20 kills. En plus, l'avantage, c'est que la zone dans Creative Destruction ne fait pas extrêmement mal. Ça, c'est une chose dont je m'en rappelle, je vous avoue. Ok, il reste 21 petites gazelles. Il a tué 20 gazelles. Bon, il y a marqué 19, mais la petite brebis là-bas, elle va mourir. Voilà, 20 gazelles. Ok, bon, il reste plus beaucoup de petites gazelles. Lance-patate, les petites grenades en mode qui roulent par terre. Scarache, fusil à pompe. 3 soins. Bah écoutez, pour le moment ça va. On va voir ce que ça va donner, mais pour le moment ça va. Alors je vous avoue, j'aimerais bien tester le jeu sur PC. Parce que déjà ça fonctionnerait, contrairement à ma tablette. Mais j'aimerais bien tester surtout au niveau des constructions. Parce que je pense que sur PC, au niveau des constructions, ça doit être quand même 1 milliard de fois plus facile. Je ne vais pas vous mentir. Alors attendez, comment est-ce que ça va se passer, à votre avis? En fait, la chose que je me demande quand même, c'est ouais, est-ce qu'il a le niveau assez haut pour que ce ne soit pas des bots?
Ça, le problème, on ne peut pas le savoir et je pense pas qu'on va le voir. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, je vous avoue, je ne pourrais pas spécialement vous dire. C'est un peu comme Free Fire. Vous savez, dans Free Fire, il y en a qui disent comme quoi, oui... Attendez, il y a une gazelle. Il y a une gazelle, il y a une gazelle. Elle est où la gazelle? Oh! Ok. C'est un peu comme dans Free Fire, vous savez, ceux qui disent, moi j'ai fait 38 kills, moi j'ai... Bon, 38 kills, j'y crois pas trop, je vais pas vous mentir. Mais qui font 1 milliard de kills. Oui, c'est normal, c'est parce que vous l'avez fait au début du jeu. Au début du jeu, c'est un peu comme PUBG et tout. Il y a des bots. Bon, sachant que dans Free Fire, dès que vous avez passé le niveau 10, il n'y a plus de bots. Au niveau de Creative Destruction, je pense que ça doit être pareil. À mon avis, arrivé à un certain niveau, il n'y a absolument plus aucun bot. Je sais pas s'il y a assez de joueurs. Je pense que maintenant, il y a assez de joueurs pour ne plus mettre des bots dans le jeu. Je pense très fortement. Oh mon dieu, il a eu... Ah non, il a pas eu chaud. Est-ce que la grenade va fonctionner? Ok, échec total de la grenade. 22 kills. Bon. 22 kills, 22 kills. Ok, il a utilisé un gros soin. Ah non, il avait des petits soins, excusez-moi. Je crois, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait utilisé un gros soin pour 20 HP, quoi. C'est vrai, je me suis dit, genre, waouh, incroyable. Gazelle, il y avait l'ascarage violette. Légendaire. Wesh, il y avait l'ascarage légendaire, tu fais quoi là? Oh mon dieu. On est d'accord que l'ascarage légendaire est plus forte que l'ascarage bleu. On est d'accord. Pourquoi il l'a pas pris? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Vous êtes sérieux là? Ah d'accord, il fait en mode... Ok d'accord. Bon, c'est un petit peu du campinage, on va pas se mentir en fait. En fait, il se met au bord de la zone, il fait une tour, et après il attend que ça rétrécisse, c'est ça? Non? Oh, il y a une gazelle. Ah, je vous avoue, je pense que c'est des bots. Je vais pas vous mentir, parce que quand il a tiré dessus, la gazelle s'est retournée automatiquement, et il lui a tiré dessus. Je peux pas vous... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais... Ouais, je pourrais, je saurais pas quoi vous dire, je vous avoue. Par contre, par rapport aux vidéos que vous m'envoyez au top 1, soit il faut que vous fassiez un top 1, mais faites un top 1, genre si vous faites un top 1 avec 3 kills, bah, c'est pas folichon, folichon. On va pas se mentir. C'est pas folichon, folichon. Faites au moins. Je sais pas, j'aurais pas de chiffre à vous dire. Il y a 100 joueurs, je dirais au moins minimum 20 kills, on va dire ça comme ça. Après, je sais, c'est peut-être beaucoup. Mais ouais, envoyez-moi vos meilleurs top 1. Je pense que ça pourrait le faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça, si vous avez une chaîne, je partagerai votre petite chaîne. Et on verra tout ça ensemble directement. Bon, il reste 10 gazelles. La zone est assez petite, ça va. La zone est assez petite. Oh mon dieu, il y a tellement de gazelles là-bas, mais c'est impressionnant. Une, deux, trois, il y en a quatre. Est-ce qu'il va les tuer avant que les gazelles se tuent entre eux, à votre avis? Il y en a 5! Mais c'est incroyable ça. Là, je vous avoue, j'aurais fait un petit rush. Je vais pas vous mentir. Oh, c'est bon, il a eu la gazelle. Ça aurait été moi, j'aurais fait un petit rush. Je vous avoue. Mon dieu, il est en train de s'acharner sur elle. Ok, donc en plus, de toute façon, la zone va bientôt rétrécir. Elle est bientôt toute petite. Donc je pense que dès qu'elle sera, dès que la zone aura rétréci. La game va se finir assez vite. Allez, allez, allez. Mon dieu, c'est la galère. Vas-y, tue la petite brebis là. Oh, il y en a une qui court dans l'eau aussi à droite. Ok, la gazelle, elle était en train de rush. Je sais pas pourquoi elle a rush. C'est un peu bête. Elle se fait tirer à distance. Elle se construit pas, pardon. Mais elle rush. Là, il est en train de l'achever. Ouais, ok, il est en train de l'achever. Heureusement, Dieu merci, qu'il a 1 milliard de balles, je vous avoue. Heureusement pour lui, il a beaucoup de balles. Alors apparemment, il y a une autre gazelle là-bas. Il reste 8 gazelles. Normalement, si je me trompe pas, il va faire top 1, 29 kills. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vous avoue. L'avantage, c'est que les gazelles, il les tue assez vite. Voilà, il doit tuer une gazelle toutes les minutes, je pense. On va dire ça un truc comme ça. Je peux nous dire de bêtises. Mais ça, c'est un petit avantage, donc c'est plutôt cool. En sachant que c'est en solo, hein. Il est pas, c'est pas contre des squads ou contre des duos. C'est vraiment en solo. À moins que... Attendez, parce que je vous dis ça, mais non, parce que les gazelles, elles tombent par terre. Non, c'est pas en solo, excusez-moi. Ça doit être en duo.
Ça doit être solo vs duo. Je pense que ça doit être ça. Bah, est-ce que les gazelles tombent par terre? C'est totalement débile. Ce que je vous ai dit, non, c'est solo vs duo. Ok, d'accord. Donc en début de game, je vous ai dit totalement du caca. Donc ouais, c'est bien ça. C'est solo vs duo. Il y avait une gazelle juste en bas. Alors normalement, si je me trompe pas, la zone est en train de rétrécir. Oh, lance-patate. Oh mon dieu. Ça, c'est horrible. Ah non, il a pas eu la gazelle. Non. Alors, heureusement que lance-patate, ça lui fait pas des dégâts lui aussi, hein. Parce que là, il aurait morflé. Je vais pas vous mentir. Heureusement que c'est pas comme dans Free Fire, parce que sinon, là, ça aurait été l'anarchie totale. Mon dieu, la galère de ouf. Ok, 28 kills. Il reste une brebis et c'est totalement fini. Alors, attendez 2 petites secondes. Il reste plus qu'une petite gazelle. Où est la petite gazelle à votre avis? Il a énormément de constructions en plus, en sachant que ses constructions sont niveau 5. Si je me trompe pas, c'est le maximum. C'est 5 ou 6. Je pense que c'est 5 le maximum. Donc ces murs ont vraiment... voilà, ces murs sont au maximum. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il reste une gazelle. À votre avis, où est l'autre petite gazelle? Dites-moi pas que la gazelle, elle va mourir dans la zone. Genre, s'il vous plaît. Je vous avoue, ça le ferait pas. Pourquoi tu rushes pas, gazelle? Je vous avoue, j'aurais bien fait un rush, moi. Ça aurait été moi, j'aurais bien fait un rush. Parce que comme il reste une gazelle, en plus la gazelle, je pense très fortement qu'elle doit camper. Ah non, elle campe absolument pas, elle est juste là. Oh, oh, oh. Et ben voilà. Top 1, 29 kills. C'est pas beau, ça? Bon, comme je vous ai dit en début de vidéo, de mon côté, Creative Destruction ne fonctionne toujours pas. Toutes les semaines, j'essaye de l'installer et je le désinstalle pour voir si ça fonctionne. Dès que ça refonctionne, ne vous inquiétez pas, je referai des petites vidéos dessus et je referai surtout des lives. Voilà. Donc en attendant, pour ceux qui veulent, vous m'envoyez votre top 1 par mail. Je ferai un petit montage de mon côté. Si vous avez une chaîne YouTube en même temps, partagez-moi votre petit lien de votre chaîne et on verra tout ça ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace. Elle écoute ses paroles. J'espère qu'elle se reconnaît. Hey, j'ai changé, ça se voit peut-être pas. Mais faut pas déconner. Je pourrais gagner tout plein de thunes, mettre de l'autotune ou même faire la une. Rien à foutre tant qu'elle est pas avec moi. Je m'en sortirai pas. Elle écoute ses paroles. J'espère qu'elle se reconnaît. J'ai changé, ça se voit peut-être pas. Mais faut pas déconner. Je pourrais gagner tout plein de thunes, mettre de l'autotune ou même faire la une. Rien à foutre tant qu'elle est pas avec moi. Je m'en sortirai pas.